Ah, c'est un pays d'hommes, hein. J'ai vu passer quelques photos de hashtag compressif dans la poche. Donc c'est génial, super. Hashtag compressif dans la poche. En fait, j'aimerais que ça devienne plus courant. J'avais fait cette petite vidéo, j'avais fait ce petit live où j'avais parlé en fait compressif parce qu'on avait un ami. Du clan techno dégénéré là, qui nous a posé un compressif il y a quelques semaines sur Papy Mobilette. Ça s'est hyper bien passé. J'avais fait un petit live dans la voiture où je parlais compressif en fait et uniquement compressif. Je l'avais pas posté sur YouTube. Et en fait, je vois passer des hashtags pansement compressif. Où les compressifs sont encore dans le packaging, sont encore sous blister. Et donc je voulais faire une petite vidéo assez rapide là pour reparler un petit peu du compressif et le déposer sur YouTube, comme ça le plus de gens possible le voient et on se rend utile. Le compressif, c'est mieux quand même. Le compressif, on est dans un avion. Le compressif pour moi, c'est vraiment l'outil qu'on peut porter au quotidien, qui va être le plus polyvalent possible. Donc personnellement, je suis sur un compressif de chez NAR, North American Rescue. C'est leur nouveau compressif ultra plat. J'adore le NAR en fait. J'avais parlé du Ola S, on a parlé avec Panoramix, on a parlé du israélien. De très bons choix. Il n'y a rien à dire sur ces choix-là. Ça dépendra de la taille de vos poches. Est-ce que vous avez des petites vestes d'urbain PD? Je vais me faire des copains encore. Ou est-ce que vous êtes sur des vestes un petit peu pecno dégénérées? Ou est-ce que vous avez un EDC avec vous? On reparlera encore une fois de l'EDC. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Je sais pas. Je dois m'expliquer comme une vache espagnole. C'est pas possible. Bref, compressif. Je pense, on pense dans la communauté avec Panoramix, que le compressif, si on avait qu'une seule chose à avoir sur nous, compressif et comme d'habitude poche arrière gauche, une paire de gants en nitrile. Déjà avec ces deux outils. Je peux gérer une multitude de problématiques médicales assez lourdes. Okay. Donc je pense que c'est les deux outils à avoir sur soi si par exemple vous êtes limité en place. Si vous êtes limité en place par rapport à vos EDC, par rapport à vos vestes, par rapport à vos systèmes de port au quotidien. Il y a des gens, c'est costume, cravate. Attaché caisse, ils doivent aller au boulot encore que l'attaché caisse, compressif dans l'attaché caisse les gars. Voilà, hashtag dans la poche, hashtag dans le sac, compressif dans le sac, hashtag compressif dans la poche, hashtag compressif dans la petite mallette là de je sais pas quoi là, l'attaché caisse, c'est parfait. Donc pour nous c'est le plus polyvalent, c'est PVEPP à mort en fait. Poids, volume, efficacité, praticité, prix. Encore une fois, poids, volume, efficacité, praticité, prix. PVEPP, ça ne vient pas de moi. C'est force spéciale. Voilà. Donc ça ne vient pas de moi. Ça vient de Rico, force spéciale, pendant 20 ans. Bref, pour nous, c'est le truc optimal à avoir. Bien évidemment, j'ai deux garrots tourniquets dans mon EDC. Mais si je ne dois avoir qu'une seule chose, si je ne peux pas prendre mon EDC par exemple, je rentre dans un magasin un petit peu merdique ou je sais pas quoi, je peux avoir ça, j'ai toujours ça dans la poche en fin de ma M65. En parlant M65, je vais faire une vidéo dédiée à la M65, peut-être même cet après-midi. Oh, un chien! J'aime beaucoup les chiens. Excusez-moi du peu. Oh, il est mignon.
Je reparlerai M65 peut-être cet après-midi. Donc, première chose, je pense que le compressif, si on ne pouvait avoir qu'un seul truc sur soi et si je ne pouvais choisir qu'un seul truc, ça fait en fait depuis la Première Guerre mondiale que les soldats, on leur donne un compressif. On leur donne rien d'autre, les mecs, ils sautent en parachute, ils vont buter du schleu, ils ont un compressif dans la poche. Okay? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc je vois beaucoup de gens porter des compressifs de taille, par exemple, 6 pouces. Moi, là, je suis sur un 4 pouces. Encore une fois, un compressif n'est pas une bite. C'est pas parce que c'est plus grand que ça va mieux marcher. Je préfère personnellement les 4 pouces, encore une fois, PVEPP. Si je dois l'avoir dans la poche, si je dois l'avoir dans le sac, si je dois l'avoir dans l'attaché-caisse, 4 pouces, ça va faire largement le travail. Encore une fois, Pépé Mobilette qui se plante au tournant du petit village après avoir bu des ballons à 6h du matin et qui s'arrache le mollet sur sa mobilette, ça va le faire. Ça devrait s'appeler une morbilette. Il y a tellement de morts par mobilette que ça, on devrait appeler ça maintenant des morbilettes. Donc voilà, première chose, pansement compressif. Deuxième chose, 4 pouces. Encore une fois, le pansement compressif n'est pas une bite. C'est pas parce que vous prenez un 6 pouces que ça va mieux le faire. Troisième chose, dégagez le blister. Dégagez l'emballage qui vient avec. Ça vaut pour les garrots aussi, mais surtout les pansements compressifs. Donc je vois passer des hashtags pansements compressifs dans la poche. Vous avez encore le blister autour du compressif. Imaginez si vous arrivez sur sur un blessé grave où vous avez besoin de déployer votre pansement compressif et que par exemple, j'en sais rien moi, il fait comme là, moins 20 et que vous avez les doigts gelés, les doigts ne marchent plus, vos mains sont devenues des palmes, hein, ça fait dauphin, ça fait galac, ok. Très difficile d'ouvrir le packaging. Alors je sais, on peut l'ouvrir avec les dents et ainsi de suite, pourquoi pas se lacérer la lèvre quand on intervient sur déjà une problématique, pourquoi pas ne rajouter à la problématique. C'est toujours bien, c'est toujours une super bonne dynamique et un super bon concept, un super bon principe. Dégagez vos blisters les gars. Dans le pire des cas, vous devez le poser sur vous-même, vous êtes dans les bois, feuilles sur le zizi, avec votre hache Grenz Force à 150 balles, et tu te la plantes dans le tibia, et que tu dois tu te fais mal au bras ou je sais pas quoi et que tu dois le faire tout seul, déjà vous allez gagner du temps si c'est pas sous blister et voilà, si vous devez le faire vous-même à une main par exemple, il est beaucoup plus facile de déployer votre compressif à une main quand il est déjà hors du blister. Si vous devez le faire et qu'il y a déjà le putain de blister qu'il faut enlever avec les dents et tout le bordel, ça va pas le faire. Les mecs qui sont vraiment sur le terrain, les sorciers qui sont vraiment sur le terrain, ils ont pas ces bordels là sous blister. Alors les gens vont dire oui, mais après c'est plus propre, il est tout sale. Ah, mais attends mon pote, si tu te plantes en mobilette et que tu as la pédale de ta mobilette qui rentre dans le mollet, je te garantis que ton mollet il est pas propre. Hein. Donc que tu foutes un truc propre ou un truc sale dessus, de toute façon à partir du moment où tu as une plaie, que c'est dégueulasse, que tu ouvres ça du blister avec tes dents, que tu mets de la bave dessus, de ta bave de crapaud, et que tu touches ça avec tes doigts sales, de toute façon le pansement compressif est sale. Okay, il n'est plus stérile. Donc beaucoup de gens font la fixette sur le stérile. En fait, on se rend compte que c'est pas le problème de stérilité qui va tuer les gens. C'est la blessure, les gars. Si le mec vient de se prendre une balle au Bataclan de 7,62 par 39 dans le genou et que tu arrives avec ton pansement compressif et que tu dis « Ah merde, mon pansement compressif n'est pas stérile, je ne peux pas te mettre le pansement compressif. » Et l'autre, il pisse le sang, artère dégagée, il va mourir dans 90 secondes. On s'en branle de la stérilité de votre concept, de votre outil. Ce qui compte, c'est la problématique médicale urgente, c'est l'urgence de la problématique, et généralement, c'est l'hémorragie. C'est l'hémorragie qui va tuer le mec, c'est pas le manque de stérilité. Donc voilà, c'est vraiment les trois gros points que je vois, avec le pansement compressif. Un, c'est le plus polyvalent, et c'est le plus petit, PVEPP à mort, poids
volume, efficacité, praticité, prix. Salut Rico, salut le premier RPIMA, salut à tous nos amis du premier RPIMA, salut à tous nos amis du COS, salut à tous nos amis des forces spéciales. Prenez soin de vos sticks. Premièrement, PVEPP. Deuxièmement, ceci n'est pas une bite. C'est pas parce que vous le prenez en 43 pouces, le plus grand possible. Faites des tours, on fait pas la momie. 4 pouces, c'est parfait. Encore une fois, on reste ici dans la loi du PVEPP. Troisième point, dégagez les emballages et les blisters de vos outils, que ce soit le garrot tourniquet. Je vois encore des gens porter des garrots tourniquets dans les plastiques, sous plastique. T'imagines si t'as un mec, t'arrives sur un accident de la route, il y a une petite gamine qui vient de s'arracher le bras, faut que tu lui poses un pansement compressif, tu lui dis attends petite, il faut que j'enlève le plastique de mon cat. Ça ne marche pas comme ça sur le terrain. Donc dégagez vos blisters et tout le bordel. Donc voilà pour cette petite vidéo pansement compressif. Merci de partager vos photos de vos pansements compressifs. Hashtag pansement compressif dans la poche. Hashtag pansement compressif dans le sac. Hashtag pansement compressif dans la mallette là. Merci de partager vos photos, merci pour votre soutien, merci pour vos questions. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment faire une toute petite vidéo courte, pratique et rapide, et je pense nécessaire sur le port et la fonction du pansement compressif. Prenez soin de vous, stay safe.